C'est Kouma, ou Mao, comme vous voulez. Je le trouve ravigorant parce que c'est un petit peu comme au Sénégal, là. J'ai fait presque 3 ans là-bas et puis bon. On habitait là-bas avec les enfants, on est rentré cet été, donc là ça nous commençait à nous manquer un peu et c'est nickel, c'est tombé à point, c'est nickel. Mardi dernier, il y avait un thème sur les nouvelles migrations sur Arte, et on nous a montré qu'en fait, en réalité, les migrations vers ce qu'on appelle la vieille Europe, les pays qui ont créé l'Union Européenne, si vous voulez, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Dans ces pays, les migrants qui arrivent le plus, les plus importants flux, proviennent de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il y a plus de réfugiés que d'immigrants économiques. Et ça, c'est important. Et malheureusement, l'Europe a du mal à accepter ça. Je ne sais pas si vous avez vu les gamins là, qui sont arrêtés à la porte de l'Italie. Hein? C'est quoi? C'est des Somaliens, des Soudanais, des Africains qui ont fui la Libye. Mais c'est des réfugiés politiques, ce n'est pas des réfugiés économiques. Et même qu'ils demandent à retourner chez eux. Mais non, les Africains ne sont pas légitimes. Ils ne peuvent pas avoir le statut de réfugiés politiques. On n'a pas ce regard-là. Et moi, j'ai envie de le dire aussi. Quoi. J'ai envie de tirer mon coup de gueule. Je ne le fais pas souvent, mais je le fais ici. Et effectivement, il y a une problématique politique. C'est-à-dire que si les Européens n'avaient pas foutu le bordel en Libye et ailleurs, il n'y aurait pas tout ça. Et aujourd'hui, on est en train malheureusement de subir ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été pris en étau entre à la fois cette frange libyenne là, intégriste, les chefs de guerre, et ils ne peuvent ni retourner, ni aller de l'autre. Je crois qu'il faut maintenant voir les responsabilités. Moi, je crois que les responsabilités sont à la fois politiques, économique et sociale. Il ne faut pas dégager, transférer les responsabilités. Chacun prend ses responsabilités. Donner à cette jeunesse africaine l'espoir sur quoi? La formation, sur qu'ils n'ont plus envie d'aller ailleurs. Thank you.
connaissance des femmes sénégalaises. Et dans l'association sénégalaise, j'ai fait du bénévolat comme elles. Je les ai aidées à préparer les boissons et les pastels. Donc après, on m'a demandé si je voulais venir participer à tenir un stand. Et c'est comme ça que je suis venue. La fête elle est magnifique, je suis italienne, je confirme que c'est des fêtes magnifiques, familiales, chaleureuses, ben voilà, c'est beau, c'est beau, on se retrouve, voilà, c'est magnifique. Je me nomme Abou Diara. Je suis un artiste chanteur malien. Alors nous on fait la musique mandingue, mais chez nous on dit musique ouassolo. Ça fait trois fois maintenant que je viens à Bordeaux et je suis très content de venir au festival du Festival Séni. Parce que dans la musique, il n'y a pas frontière, surtout entre Mali et Sénégal. Affaire content nañ ci torop tous les ans mom damay yakamté dat bi on lu ba miri la bari ma ba miri la desat on lu ba miri la bari ma ba miri la asi sambia ta bu ce bu safia do safia do ay safia do Yafa, 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 Yafa.